gauche-droite de la Terre, là, il fallait que j'aie de l'aide. Surtout qu'elle avait accès à l'ancien. C'est un projet pour permettre aux gens de découvrir où était la terre originale de leurs ancêtres. Donc, c'est un projet de généalogie principalement. Château-Richer, au début de la colonisation, a été découpé en 37 terres par les seigneurs de l'époque. On a donc identifié les limites de chaque terre et on a fait les recherches généalogiques pour identifier sur une personne, une période plutôt de 70 ans, qui étaient ces premiers colons, ces premiers censitaires qui sont venus s'établir sur la côte de Beaupré. Les recherches se sont poursuivies pour identifier aussi qui étaient les épouses de ces premiers censitaires qui sont venus s'établir. Et dans les cas où ça s'appliquait, on a identifié lesquelles de ces femmes étaient filles du roi. Donc les panneaux, comme vous pouvez voir, identifient en fait le nom du censitaire, le nom de son épouse. Et puis dans le cas ici de Martine Cronier, on sait que c'était une fille du roi. La légende l'indique. Donc maintenant, les gens peuvent venir à Château-Richer, marcher le long de l'avenue Royale, et sur les 37 terres qui sont identifiées ici, les gens vont retrouver un panneau qui vont, chaque panneau identifiant qui étaient ces premiers censitaires qui sont venus s'établir sur la côte de Beaupré. De plus, on a fait des recherches avec les urbanistes de Château-Richer pour identifier quelles étaient les limites exactes gauche et droite de chaque terre. Donc sur le panneau, on retrouve les coordonnées que les gens peuvent rentrer dans leur téléphone. Donc en marchant sur l'avenue Royale, on va pouvoir découvrir que la terre commençait exactement ici et se termine exactement là. L'avenue Royale existant à l'époque, si un gagnon vient se promener à Château-Richer, eh bien ce gagnon va pouvoir marcher dans les traces exactes de son ancêtre. Et comme je disais tout à l'heure, c'est 3 ans d'un gros travail. Ça avait commencé comment, ce projet-là, au tout début, là, ce que vous aviez en tête? Je suis arrivé à Château-Richer, moi, il y a 6 ans, et je me suis impliqué à développer certains projets qu'on pourrait dire des projets de visite, pour que les gens, pour apprendre aux gens, en fait, quelle est l'histoire de cette première paroisse organisée de Nouvelle-France. On est réellement au bastion, au début de la colonisation. Et donc, l'idée m'est venue, en lisant un livre de M. Raymond Gariépy, en fait, de donner vie à son livre. Le livre est ardu à lire, mais je voulais donner vie à tout le travail qu'il avait fait d'épluchage de tous ces contrats originaux qui avaient été faits en Nouvelle-France, que lui a lu en vieux français, et traduit sur les panneaux pour pouvoir identifier pour les gens, pour le passant, qui étaient ces premiers venus qui sont venus s'établir sur cette belle côte de Beaupré. Et comme vous dites, il y en a un aux 37 terres, un de ces panneaux. Vous avez sûrement dû avoir des discussions avec aux endroits où vous avez placé le tout. Ça s'est bien passé pour avoir l'autorisation? C'est drôle que vous me posiez cette question. L'avenue Royale est une vieille route. C'est donc l'emprise de la ville n'est que de 1 à 2 pieds. Et on ne pouvait pas placer les panneaux à cette distance parce que les charrues l'hiver auraient endommagé les panneaux. Donc, il fallait les placer en retrait, 8 à 10 pieds. Et donc, on a eu approché, en fait, 33 propriétaires qui ont gracieusement accepté de placer un panneau sur leur terre. Je leur en suis très reconnaissant parce que sans leur support, on n'aurait pas réussi, en fait, à pouvoir démontrer, à montrer. C'est devenu presque un projet citoyen. Et les gens, en fait, se sont joints à notre engouement pour faire découvrir quelles étaient la généalogie, les premiers arrivants de la Côte de Beaupré. Vous êtes le maître d'œuvre du projet, mais comme vous disiez, c'est un projet que vous ne pouvez pas faire seul. Qui vous a aidé, entre autres, pour réaliser ce projet? Il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé à faire ceci. Vous savez, quand on fait un projet comme ça, il faut s'entourer de gens qui sont meilleurs que soi. Alors, j'ai été chanceux, j'ai trouvé des gens qui étaient meilleurs que moi. Et donc, c'est le docteur Julien Poitras, qui est urgentologue, en fait, qui m'a aidé. C'est lui l'artiste qui a fait l'écrin, l'œuvre d'art qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, juste en passant, on a donné, moi et lui, les droits de reproduction au Centre de généalogie. C'est un organisme qu'on trouve ici à Château-Richer, puis ça leur permettra de faire un peu d'argent. Ce n'est pas un organisme très riche. Alors, ça leur permettra peut-être de faire un peu d'argent. Clairement, il y a eu une revue généalogique qui a été faite par le Centre de généalogie. J'ai fait les recherches, mais ensuite de ça, quelqu'un devait vérifier. Il y a eu une revue orthographique qui a été faite. Alors, je suis reconnaissant à Mme Claudette Sanson de m'avoir aidé avec ça. L'établissement, en fait, de qu'est-ce qu'on va mettre sur le panneau, on est limité en espace. Alors, c'est M. Michel Barry qui m'a aidé. Lui a œuvré dans les musées toute sa vie, très connaissant. Donc, son aide m'a été précieuse pour identifier qu'est-ce qu'on met puis qu'est-ce qu'on ne met pas. On avait beaucoup d'informations, mais on est limité par l'espace. Alors, ce sont les gens qui m'ont aidé dans la réalisation de ce projet. Clairement, il faut de l'argent pour faire un projet. Ces gens-là que j'ai nommés ont fait leur travail gratuitement, bénévolement, mais la production de panneaux, de poteaux, de pieux vissés, ça, il y a des coûts associés à ça. Alors là, c'est la ville de Château-Richer qui a financé une partie du projet. Et puis, il y a aussi le ministère de la Culture et des Communications par le truchement d'un projet qu'ils ont avec la MRC, puis Développement Côte de Beaupré, qui ont su aussi donner un certain apport financier pour pouvoir réaliser ce projet. Est-ce qu'il peut y avoir une suite à ce projet-là?
pour d'autres municipalités de la Côte-de-Beaupré. Mais vous savez, on a couvert les 37 aires de Château-Richer, numérotées 44 à 80. C'est donc dire qu'en fait, il y a les terres 1 à 43 qui se trouvent à l'Ange-Gardien, Bois-Châtel, puis il y a les terres 81 à 143 qui se trouvent à Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré et Saint-Joachin. Les recherches généalogiques sont très avancées pour ces différentes municipalités-là. Et j'ose croire, j'ose espérer qu'un jour, peut-être, on pourra compléter l'étendue complète de la Côte-de-Beaupré pour pouvoir donner l'information généalogique des terres 1 à 143. Je vous pose une question qui touche peut-être les terres qui sont en arrière-pays, comme pour Saint-Ferréol et Saint-Idée-Cap. Est-ce qu'il y avait ce type où on couvrait vraiment les territoires le long du fleuve? Vous avez raison. Les terres de Saint-Ferréol ont été scindées des terres originales de Saint-Joachin principalement, un peu plus tard dans l'histoire. On a un peu d'informations. Je n'ai pas fait les recherches généalogiques pour cette région-là, mais c'est dans le passé. Puis clairement, les terres s'étalonnant de Saint-Joachin jusqu'à Baie-Saint-Paul, Rivière-du-Gouffre, l'information est existante. Je n'ai pas lu les livres encore, je n'ai pas fait les recherches, mais ce serait dans le domaine du possible de regarder ça aussi. Merci, M. Milot. Bienvenue. M. Pouliot, un beau projet qui est annoncé ici aujourd'hui avec ses panneaux d'interprétation. La ville de Château-Richer était partenaire et a fait quoi dans ce dossier? Bien, premièrement, M. Milot est venu parler à la ville à l'époque, puis il nous présentait son projet, puis c'est sûr que ça a été accueilli assez rapidement. Donc, il a été supporté de façon financière, si je peux le dire comme ça. Et aussi, on a mis en place là, toutes les mesures possibles pour qu'il puisse avoir le support au niveau de la voirie avec M. Roque Cloutier. Donc, on s'est assuré, la ville s'est assurée là, qu'on puisse apporter tout le support technique ou physique là, pour pouvoir procéder aux installations des panneaux et autres besoins que M. Milot pouvait avoir. Les panneaux sont en place depuis le mois de juin. Oui. Est-ce que vous en entendez déjà parler par rapport aux gens qui ont visité leur famille, leurs ancêtres? Bien, les commentaires qu'on a eus, c'est très positif. Les gens sont contents. Ça leur permet de voir un peu l'histoire. Puis ça amène aussi les gens à aller faire un petit peu plus de recherche des fois parce qu'ils se sentent un petit peu personnellement interpellés là-dedans. Moi, juste en avant de ma maison, j'ai justement un panneau qui est là. Puis je peux vous dire que les gens le visitent. Il y a souvent des personnes qui sont en avant et qui sont en train de lire un peu ce qui est écrit, là, puis l'information qui est partagée. Donc, ça relate notre histoire, ça relate notre passé, ça relate aussi d'où on vient. Donc, c'est vraiment un beau projet que M. Milot a mis sur pied. On est content et on est fiers d'avoir appuyé M. Milot dans ce projet-là. Est-ce que vous-même, vos ancêtres viennent d'ici? Mes ancêtres, je pourrais pas. Non, je vais dire non, mais ce que je sais, c'est que la maison où j'habite actuellement, elle a été détenue par un de mes ancêtres qui s'appelait Charles Pouliot, qui l'a acheté en 1990. J'ai un de mes amis qui est en train de faire toute ma généalogie, là, regarder toute l'histoire là, des Pouliot, d'où on vient, parce qu'on dit tous qu'on vient de la Normandie, mais il y a des petits villages plus spécifiquement. Fait qu'on est en train de regarder ça, il est en train de faire un livre à ce sujet-là. Et je sais qu'il m'a appelé à un moment donné, il m'a interpellé pour me dire que pour le moulin Le Petit Pré. J'ai un de mes ancêtres qui a travaillé comme contremaître maçon là, sur ce moulin-là dans les années 1650 environ. Donc, vous avez un petit peu de Pouliot ici, il y a à l'origine. De Pouliot, puis j'en suis très fier. Puis quand j'ai appris que la maison que j'avais achetée avait été détenue par un de mes ancêtres, je savais que j'avais des ancêtres qui avaient habité sur la côte de Beaupré et sur l'île d'Orléans. Mais quand j'ai appris ça, j'ai eu des frissons. J'étais content. Monsieur Pouliot, on souhaite que les gens, autant de Château-Richer que de la Côte-de-Beaupré, viennent visiter les panneaux et puissent voir un peu, en connaître davantage sur leurs ancêtres. Merci, puis on invite les gens à y visiter et à prendre le temps de faire le tour. C'est un beau parcours quand même de 11 km, donc c'est une belle marche. Ça peut se faire en deux ou trois étapes selon votre condition, mais c'est vraiment à visiter, puis on invite les gens à y revoir et à venir consulter nos panneaux. Merci. Un grand merci. Merci beaucoup, bonne journée. Monsieur Lefrançois, Monsieur Milot vient de nous présenter un projet vraiment intéressant sur nos ancêtres, sur la côte de Beaupré, précisément Château-Richer. Comment vous trouvez le projet en général? Bien, je trouve ça très intéressant, puis je pense qu'au niveau de la MRC, avec Développement Côte-de-Beaupré, ça fait partie de notre mission, puis de voir nos valeurs, de voir nos ancêtres de la Côte-de-Beaupré. Je dis tout le temps, on regorge de trésors et d'histoires, donc il faut les mettre en valeur, puis le travail qui a été fait par M. Milot est extraordinaire. On comprend qu'il est reparti des écrits, on parle de M. Raymond Garnier-Py, qui était un résident de l'Ange-Gardien, qui avait à cœur la Côte-de-Beaupré, donc c'est important de poursuivre l'histoire et de dire aux gens, aux générations de la Côte-de-Beaupré, qu'est-ce qui s'est passé, qui sont nos ancêtres, sont arrivés où et comment. Donc, je pense que c'est une belle mission qu'on a et qu'on a à accomplir chez nous.
au niveau de la MRC et développement Côte-de-Beaupré, ça a été de l'aide financière qui a été faite ou il y a eu de l'aide aussi pour aider M. Milot à préparer le projet? Oui, c'est de l'aide financière, mais on a un programme aussi. On a Michel Abdenmour qui travaille sur le projet culturel des Côtes-de-Beaupré. Donc, on est là pour venir en aide et compléter et accompagner les gens qui veulent s'investir dans des programmes comme ça. Aussi, tantôt, vous parliez lors de la conférence de presse, il y a quand même un lien important de Château-Richer-Lange-Gardien. Quel est ce fameux lien qui est entre les deux municipalités? Bien, je disais quand même que Château-Richer, à l'époque, le territoire de Château-Richer se poursuivait jusqu'à la chute Montmorency. Puis je disais que mon ancêtre qui est arrivé, Charles-François, est arrivé à Lange-Gardien, mais à l'époque, ça s'appelait Château-Richer. Donc, je disais qu'il assistait à une assemblée. Au début de l'Assemblée, il demeurait à Château-Richer, puis après la réunion, il demeurait à Lange-Gardien, parce que la limite est faite à Rivière-du-Petit-Pré, puis il demeurait à l'autre bord de la Rivière-du-Petit-Pré. Donc, il a commencé une réunion à Château-Richer, puis il a fini à Lange-Gardien, l'endroit où il habitait. Donc, vous invitez sûrement les gens de la Côte-de-Beaupré et spécialement de Château-Richer de venir voir ces panneaux qui vont leur donner davantage d'informations sur leur origine? Oui, c'est ça. Il faut regarder. C'est extraordinaire le travail qui a été fait. Les panneaux qui ont été installés à Château-Richer sur les terres, on peut imaginer que c'est sensiblement pareil sur tout le territoire de la Côte-de-Beaupré. Donc, le travail qui a été fait à Château-Richer est très bien fait. C'est une belle expérience à aller découvrir, voir les terres de nos ancêtres qui sont pratiquement tous intacts aussi, qui sont là. Fait que c'est bien. Un grand merci, M. Lefrançois. Ça me fait plaisir, merci. Le projet de M. Milot a été financé par l'Entente de développement culturel, qui est une participation à la fois de Développement Côte-de-Beaupré, la MRC de la Côte-de-Beaupré et du ministère des Cultures et Communications du Québec. Est-ce que tu as eu à faire peut-être préparer avec lui des papiers? Comment ça fonctionnait de ce côté-là? M. Milot est hyper structuré, alors c'est un plaisir de travailler avec lui. Je l'ai aidé un peu, bien sûr, là, dans l'administration de ses formulaires, tout ça, mais il est très autonome. Ça a été un super beau projet de la compagnie. Et quand on parle du projet, sûrement contente du résultat? Extrêmement contente. Vraiment, là, ça bonifie à la fois l'histoire du patrimoine de la Côte-de-Beaupré, puis ça nous fait un beau circuit là, sur Château-Richer. Et est-ce que c'est le genre de projet que vous touchez davantage peut-être au niveau du patrimoine, de la culture, avec l'entente culturelle? En fait, oui. L'entente de développement culturel permet d'aller dans tous les genres de projets, dont ceux liés au patrimoine.